Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mardi 27 août 2024. Une livraison qui nous conduit à Kinshasa, dans la Fédération Congolaise de Football Association, pour parler avec ce staff technique, encore une fois, parler de cette liste des 25 convoqué qui avait été publié par Sébastien Desabre peu à peu avant la date fatidique du rassemblement et de ce premier match à Kinshasa face au Sili National de Guinée pour le compte de la première journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Nous allons peu à peu analyser cette liste de Sébastien Desabre. Aujourd'hui, nous voulons parler d'une absence. Une absence qui finalement devient peut-être une habitude parce que ce sera pour la deuxième fois, deuxième rassemblement, que cette absence sera remarquable. Et si pour la première fois l'absence était justifiée par le joueur, je ne dis pas que l'acte en soi, la demande d'absence était en soi justifiée, mais le joueur au moins avait fait une demande en amont avant la publication de la liste. Cette fois-ci, visiblement, c'est le staff technique qui a décidé ainsi. Vous l'avez peut-être compris, il s'agit du joueur Silas Katompamvupa Mwana Yakauka. Et pour bien parler de ce sujet, je vais partager avec vous un article d'un de nos confrères ici, MediaCongo.net, qui nous donne quelques éléments que je mets quand même dans le compte des rumeurs. Heureusement que nos confrères ont titré « Éliminatoire CAN Maroc 2025, Silas Katompa sanctionné par le staff technique des Léopards ». C'est une interrogation. C'est beaucoup plus prudent, je trouve, parce que le sélectionneur manager Sébastien Desabre est toujours en mode « Baba ». Que dit notre confrère de MediaCongo.net dit ceci. Silas Katompa, attaquant vedette de Stuttgart en première division allemande, ne figure pas sur la liste de Sébastien Desabre, manager et sélectionneur national des Léopards de la République démocratique du Congo. Une situation qui défraye la chronique sportive nationale et internationale. D'après des sources internes, Silas Katompa n'a pas décliné l'appel de la sélection nationale, mais est en réalité puni par le staff technique des Léopards. Selon les informations, le joueur avait initialement justifié son absence lors de la récente trêve internationale par des raisons personnelles. Cependant, il a été aperçu se promenant dans les bars et restaurants de Kinshasa, suscitant la colère des responsables de l'équipe. Cette situation est d'autant plus délicate que le pays avait besoin de lui pour des matchs cruciaux. Le coach Sébastien Desabre, connu pour son approche stricte en matière de discipline, a pris cette décision pour rappeler à tous les joueurs l'importance de leur engagement envers la sélection nationale. La sanction de Katompa souligne l'importance de la discipline au sein de l'équipe et pourrait avoir des répercussions sur sa carrière internationale. Les supporters espèrent que ce rappel à l'ordre incitera le joueur à se concentrer sur ses responsabilités et à revenir plus déterminé pour représenter le Léopard avec fierté. Alors ça, c'est notre confrère de Media Congo, mais dans les réseaux sociaux, plusieurs pages abordent cette histoire dans le même sens. Je dirais qu'il n'y a aucune information officielle qui nous permet de confirmer qu'il s'agit effectivement d'une sanction. Mais nous pouvons à
analyser, hein, parce qu'on a su lire quand même entre les lignes ce qui s'était passé lors du dernier rassemblement et ce qui vient de se passer, d'autant que Silas Katompa est, je dirais, en forme, il n'est pas en méforme, il n'est pas blessé, il est en train d'être utilisé par son club, même si lors du dernier match de Stuttgart, match perdu d'ailleurs sous le score de 3-1, il était sur le banc et il y est resté. On ne sait pas si là il faut aussi compter avec le comité de freinage qui s'était plaint aussi, hein, de l'attitude du joueur. Donc voilà, Silas Katompa, ce n'est pas pour la première fois. Silas Katompa avait déjà décliné la sélection lors d'un match important de qualification pour la CAN 2023, mais il viendra participer à la CAN alors que ce sont ses coéquipiers qui avaient accepté de rejoindre la tanière, qui avait fait le grand boulot du côté de Franceville en battant le Gabon sur le score de 0-2. Il avait également avancé des raisons personnelles. Jusqu'à ce jour, on ne sait pas exactement de quoi il s'agissait. Et pour cette deuxième fois, il fouille le match contre le Sénégal, il fouille le match contre le Togo à Kinshasa, mais on le voit ici à Kinshasa se pavaner ça et là, et en tenue à la Mosée Kindingu, en sapeur. On l'a vu effectivement dans des restaurants, je ne sais pas s'il s'agissait aussi de, des restaurants à bar, hein, mais on l'a vu en tout cas en train de manger tout et n'importe quoi, hein. Je ne pense pas que ça pourrait être en accord avec le diététicien du VFB Stuttgart, mais Silas Katompa était à Kinshasa pendant que Shadrack Akolo, qui avait un projet de mariage, jouait avec les Léopards à Kinshasa contre le Togo. On peut supposer, hein, on émet une hypothèse, que Silas Katompa, connaissant Sébastien Desabre avec des précédents qu'on a déjà remarqué dans la tanière, notamment le précédent Niskan Seke, bah non, le précédent William Balikwisha, que Sébastien Desabre a décidé peut-être de mettre une croix sur Silas Katompa. Momentanément ou définitivement, je ne sais pas, mais en tous les cas, avec cette forte concurrence qu'il y a dans la tanière, Sébastien Desabre peut aussi se permettre de se passer d'un joueur comme Silas Katompa. Alors, comment interprétez-vous cette situation ? Êtes-vous d'accord avec ses confrères qui pensent que Silas Katompa serait sanctionné ? Je pense aussi de la même façon, bien que Sébastien, la seule vérité, c'est Sébastien Desabre qui la connaît, ou bien dans une moindre mesure, Silas Katompa, et ou bien pourquoi pas les gens de la Fédération congolaise. Mais là, jusque-là, il n'y a aucune information officielle. Hein, comme disons, nous sommes juste en train de faire des suppositions. Et connaissant Sébastien Desabre, même en conférence de presse, je pense qu'il va botter en touche. Donc s'il y a réellement un problème avec Silas Katompa, je ne pense pas qu'il dira qu'il a sanctionné Silas Katompa. Connaissant le sélectionneur national, c'est vrai, comme vous l'avez dit, c'est la deuxième fois que Silas Katompa renonce à une sélection nationale pour des raisons personnelles. Moi personnellement, lorsque j'ai vu la première photo, il était dans une église, je pense, il y a eu une prophétesse ou maman pasteur qui priait pour lui. Je me suis dit, peut-être c'est la raison personnelle, c'est ça. Azobal, Kalaté, tout ça, peut-être c'est ça la raison personnelle. Je me suis dit, ok, donc si c'est pour le mariage, il n'y a pas de souci, on peut comprendre. Mais après, qu'est-ce qu'on voit? Habillé en sapeur, donc à la tiba coupé, donc en harmonie, donc les colonnes assez harmoniques, coupées, on le voit dans les restaurants manger tout sourire, tout sourire, alors que ils avaient un match crucial du côté du Sénégal, et Dieu merci, ça s'est très bien passé, et sans Silas Katompa, la RDC a quand même obtenu 4 points sur 6 face au Sénégal et au Togo, donc je pense que c'est ça aussi qui a fait déborder la coupe, qui a fait déborder le vase d'un point de vue congolais. Mais c'est vrai que bon, il y a plusieurs versions qui circulent dans les réseaux sociaux, mais celle-là, c'est celle qui récolte le plus de voix. Il y a aussi une autre version qui dit que après, il n'a pas apprécié les critiques, nombreuses critiques après son match face à l'Afrique du Sud, tout s'est raté là. Donc il a eu une tonne d'injures, tout ça. C'est peut-être pour ça que là, c'est une autre version qui circule. Et je ne pense pas que ça doit être cette version-là. Ou bien alors qu'ils le disent clairement. Qu'ils disent clairement à l'entraîneur national qu'il prend une pause avec l'équipe nationale avant de reprendre ses esprits et revenir plus tard. Mais là, la RDC ne va pas attendre si la SCA tombe pas. La RDC d'aujourd'hui, Silas Katompa joue dans un compartiment où il y a le plus de concurrence. Il n'est pas titulaire. Il y a le plus de concurrence et il n'était pas titulaire. Il était seulement titulaire contre l'Afrique du Sud. Deux matchs, hein, je pense, contre l'Afrique du Sud et contre l'Égypte, hein, je pense. Ou bien le match de la troisième place contre la Zambie. En tout cas, il était titulaire lors de deux rencontres
deux titulaires présents qui n'ont pas porté leurs fruits, il faut se le dire quand même. Donc voilà. Enfin, personnellement, je ne peux pas. On peut juste faire une lecture hein, de la situation. Je pense peut-être que Silas Kantompa. Asa problématique quand même, parce que quand Asa problématique. Si c'est une fois ça arrive, mais deux fois là deux non. Fois, mais comme habitude. On veut partir à la Coupe du Monde, on veut se qualifier. Et moi ce qui m'étonne, c'est qu'il le fasse un léopard et un lélo. Parce que autant on a léopard à Kalatoura, on comprend, jouer le rôle à Kabongo, Tozaka Anaye. Hein, Moutoubile à 10, Kabongo 9, toi Kana Kabongo, danger. Si Kabongo a ça la caprice, toko bonde la. Mais léopard, il y a l'élo. Léopard, vraiment, il y a l'élo. Oh, bah, Michel-Ange, bah, Likou, Chabazo, et bah, n'a tout à l'an des sabres, n'engenin. C'est vraiment compliqué. Et un joueur, pardon, on a l'impression que c'est le Maloba. Un joueur, Oyo, soit ok, la deuxième hypothèse, hein, même si on n'y croit pas tellement. Admettons même que deuxième hypothèse est à la vraie. Mais pour un joueur qui a grandi à Kinshasa, ou à Petit Bal et Nazelotik, ou à Yébi Pression, au public congolais, à Tiaka, Naba joueur. Modèle ni pression à Nézalaka. Parce que le public n'est sur la terre à pression. Mais il y a Bissot, Ezakana, Bamafinga, Oeko, Sepelisayote. Eza Bamafinga, parfois, Oba Komaka, Naba mur. Yaba Balabala, Naba mur, Yaba tunnel, Yaba Yolo, Naba tunnel, Naba Kaukawana, Naba tunnel, Yaba Bandal, Yaba Lemba, Eza Makamo, Oba Komaka, Naba mur. Alors, Sokoza, na moral, Yamaka, si t'es pour supporter. Sauf que c'est là, ça le bibou, Yaba critique qui est trop. Si vous Cédric, Bakamba, Olobani. Je me pose une question, bon, je dois vérifier, vous pouvez peut-être répondre à ma place. Est-ce qu'il a déjà joué un match des éliminateurs, que ce soit la Coupe du Monde ou de la CAN? Il a déjà participé à un match à Kinshasa ou bien à l'extérieur? J'ai comme l'impression que ses premiers matchs étaient à la CAN, parce que normalement le match du Gabon devait être sa première sélection. C'était à Beta déjà. À Beta déjà. À Beta, je me souviens, Zaro Luka même, à Rata même. Autant pour moi, tout à fait, oui, il a déjà évolué. Je ne sais plus contre quel adversaire. Peut-être avec Soudan. Non, ou bien contre la Mauritanie, je pense. La victoire 2-0. Il avait joué. Ce match, il a même raté une occasion, si c'est mes souvenirs. Ah, ouais. Et voilà, donc j'espère que Silas ne choisit pas ses matchs. Azopo Naba match. Moi, je l'avais déjà dit. Silas Azopo Naba match. Parce que sur Talibé, Gabon, Atali, en fait, c'est quelqu'un, peut-être qu'il a une personnalité à ma capacité. Azopo Ka pression. Alors moi dans côté à Yébinde bah tu vas finir hein n'engue comme la bah famille naie Atali bah Gabon Akimi sur quoi Atali sur Sénégal Akimi naie Azopo Naba match jusqu'à preuve du contraire si laisse qu'à ton pas petit Azopo Naba match ils sont timbeli au moins congolais hein congolais tout n'a pas marché hein tout n'a pas marché mais quand bah au moins on a la page n'a pas tout n'a pas marché bah bendi moi na on a Wai a commis pendant Wai bien contacté. Ba bendie makolo petuana ti Marseille que ça la DD na stade de Reims ça la niveau na vélodrome donc c'est là ce qu'on tombe pas tolinga ko mingi hein mais léopard il y a lelo to ko supporter chantage te to ko supporter tes joueurs à ça la fière na léopard il y a c'est là ce qu'on tombe le qui te au bongonda hein silas au le qui te au Messi R Mogoboy hein R Mogoboy hein bon petit hein moi calmos. Calme. Voilà, donc voilà ce que nous voulions partager avec vous. En tout cas, chers amis, partagez avec nous en commentaire votre propre point de vue hein, sur cette affaire. En tout cas, moi, je n'irais pas que l'information de sa sanction est officielle hein, parce que aucune source officielle n'a confirmé cela. Mais bien évidemment, nos analyses vont dans ce sens-là. On attendra peut-être en conférence de presse une fois que le rassemblement débutera ou en conférence de presse d'avant RDC Guinée pour en savoir plus. Hein. Si bien évidemment nos confrères qui seront conviés à cette conférence de presse pensent à poser cette question. Et d'ailleurs moi je le disais déjà hein, j'avais transmis le message à nos confrères qui pourraient être conviés à cette conférence de presse de demander à Sébastien Desabre si la non-convocation de Niskan Skebano, de Silas Katompa, j'avais ajouté encore qui de William Balikwisha est justifiée pour des raisons sportives ou extra-sportives. Donc c'était ça en tout cas ma question et j'espère qu'on aura une réponse. Là, on a une réponse, mais je dirais que s'il s'agit des rumeurs, hein, puisque on n'a pas encore de confirmation d'une source officielle. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime et partagez avec nous une fois de plus votre opinion. Abonnez-vous surtout sur cette chaîne DiascoFoot si vous ne l'êtes pas encore. Hein, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité en attendant. Portez-vous bien, DiascoFoot vous dit au revoir.